Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie dans le cadre d'ITSL. Ce soir, on joue les quarts de finale des Silver Playoffs. J'étais top seed, mais j'affronte un adversaire assez redoutable, un Polonais du nom de Jędrzej. C'est lui qui a créé la game, c'est moi qui ai choisi les Américains. Je sais pas pourquoi il a mis 3 heures, bon c'est pas grave, on va partir là-dessus. Moyen, main moyenne d'ouverture. On a deux scoring, on a une carte 4. Précédente partie qu'on avait fait. On ouvre avec middle east scoring et on a la guerre indo-pakistanaise. Ok, c'est parti. Bon, on va essayer de réfléchir pour une fois. Essayer de pas trop jouer vite. Je sais même pas quel est le. Il a fait plus de 1000 matchs. Et il a l'air de préférer jouer les Américains en tout cas. Quoique. Ouais, si, quand même, il y a un petit avantage en nombre de parties aux joueurs russes. Je sais pas pourquoi j'ai dit Américain, il préfère jouer russe. Alors, est-ce qu'il bluffe ou est-ce que il est vraiment devant un choix cornélien? Bon, le problème c'est qu'il peut avoir Nasser. Ça m'annulerait, mais non. Les scientifiques nazis. Je sais pas pourquoi il y a deux étoiles à cette carte. Mais c'est le cas, il y a deux étoiles. Quelque chose que j'ai remarqué il n'y a pas très longtemps. Est-ce que c'était déjà le cas avant un coup avec une force 2, ça c'est bien ça. Ce qui est moins bien, c'est le résultat qu'il fait derrière. Donc pas de fidèle pour activer la CIA.
J'utilise pas ma carte 3 parce que si jamais il a le blocus, je préfère défausser une carte 3 qu'une carte 4. Ça c'est pénible. Il faut que je fasse un coup d'état. Joli résultat. Il va coup back en Malaisie. Je vais le mettre en France. On n'a pas vu passer ni De Gaulle ni. Ouh, j'ai bien fait de mettre mon point au Liban. Oh, j'ai presque envie de jouer blocus là. Avoir la purge, il peut avoir beaucoup de choses. Olympic Games, ça me fait des points de victoire. Pas évident. Tu vois, c'est des bons événements. Pas du tout évident. Il n'y a pas de raison qu'il ait mis. Du coup, il va faire un coup d'état, je pense, mais il a pas trop de cible. Ou alors, il fait pas de coup d'état, ça serait encore mieux joué. Et il prend la Thaïlande. Et du coup, je vais te faire un coup d'état en Iran.
can cover. La question c'est est-ce qu'il a Favior Plan? Vu mes points d'opération, ça pourrait valoir le coup de faire déjà de réalignement, je pense. Pourquoi il est allé en Indonésie plutôt qu'au Zaïre? Voilà au Zaïre maintenant. Ah, il fait pas la guerre. Oh, pas de favor plane. Ah oui, j'ai défaussé une carte, c'est vrai. Dommage pour moi. Cool, je récupère Favor Plan. Je sais pas trop quoi mettre en headline hein, par Favor Plan. Ouais, sinon j'ai l'Olympic Games.
j'ai quand même une carte 3 pour prendre la Thaïlande, même sans faveur plane. Qu'est-ce qu'il va avoir comme carte? Les guerres sont passées. Ah, il peut récupérer la guerre, c'est vrai. L'Asie, je l'ai joué tour 1. Ouais. Ah, il y avait la purge, évidemment. Essayer à être passé faveur plein n'a pas un grand intérêt. Ça donne pas trop envie de faire un coup d'état quand même, l'Asie en domination là. Oui c'est ça, ça lui donne pas trop envie de faire un coup d'état. Et du coup je gagne le coup d'état. Ah, j'avais une éclair Tesban. Je vais être à poil après hein, si je vais au UK. N'empêche que 11 points d'avance, c'est pas mal. Oh là là. La sœur en dernière carte. C'est vrai que le Vietnam aussi je peux y aller. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3.
puis pour le Vietnam. Putain, 14 avec 2 points de plus, c'était bon, hein. Si je prenais le UK, j'aurais dû parier. Il avait sûrement quelque chose pour contrer. Et puis là, en plus, avec ça, je protège quand même la guerre de Corée, c'est pas mal. Il avait De Gaulle, par exemple. Bah, la guerre en Inde, là, elle change tout celle-là. Derrière et pourtant j'ai 14 points d'avance, c'est ouf. Ah, yes. Ah non, si je l'avais vu, non? Non, je l'avais pas vu. Évident. Ah bah si, gouvernement socialiste, je peux un peu m'en passer, je pense. Oh, c'est chaud. Là, j'ai vraiment beaucoup de mauvaises cartes. Pas de raison de se précipiter de faire un coup d'état au Cameroun, sauf s'il a le décompte. Ah si, je pouvais le réaligner.
Si je garde ça, je peux retourner l'Asie, je ferai des points avec ça. Du coup, je garde pas ça et ça fera que je le déclenche. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah ouais. Je suis pas très loin d'avoir la domination en Asie. Je pense que ça, j'en ai pas besoin. Je vais garder ça pour retourner l'Afrique. C'est dommage de jouer ça maintenant qu'il m'a donné la carte Chine et que les cartes Defcon vont être un problème pour lui. Oh la vache, il en a des ops. Putain. Clairement, il était riche. Ok, on a arrière-garde coloniale. Et on a aussi Hawaii Land. Et on a Puppet. Que je peux annuler son premier coup d'état. Ça semble pas mal quand même. Lol.
y avait l'arrière-garde coloniale qui était très fort aussi pour menacer la Thaïlande. 1, 2, 3. Je m'en doutais que j'allais faire un jet de merde. Mais bon, j'ai eu un super jet au coup d'avant. Pas se plaindre. On a l'Italie qui est protégée grâce à l'OTAN maintenant. Il a eu beaucoup de cartes cut, hein. Là, il m'enchaîne avec les grosses cartes. Plutôt des mains avec des cartes B. Il a eu une carte une, deux. Ah, il a eu Seiya aussi. Ouais, c'est peut-être équilibré, je sais pas. Qu'est-ce qui m'embête? Oh là là, t'es sérieux? Oh. Ça c'est gentil. Peut-être j'aurais dû prendre la Thaïlande, je sais pas. C'est compliqué parce qu'il y a brochoir. Très bien.
elle est dans la défausse, je crois. Hein. On n'a pas vu missile ennemi. Ah ouais, c'était tellement tentant aussi. Là, le coup d'état en Thaïlande, ça va faire plaisir. Cool. Ah, moins cool. Oui, OPEX 3 points. Il a moins 1 sur son jet de dés, j'ai la carte Chine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, ça c'est bien vu ça. Oh là 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 là. OK. Putain, j'ai pas eu trop de chance là sur les coups d'état. Oh la vache.
Il a toujours. Traité ABM. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, ça vaut toujours le coup. Il y a eu l'Afrique et l'Asie. Et le Middle East. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est pas évident du tout. Où est-ce que j'enlève le dernier point? Il va me laisser faire un coup d'état. Ça, c'est à peu près sûr. Il a une carte 4. C'est la question. Ils sont un peu passés les cartes 4. Si je lui balance ça dans les dents. Ça semble pas mal aussi. En plus, il va avoir beaucoup de décomptes à faire. 6 et 4, 10. Là, il suffit d'une carte 3 pour rétablir.
Ah là là, je sais pas. J'ai bien envie de faire un truc comme ça. On est d'accord qu'il y a plein de décomptes là, hein? Oui, on est d'accord. Afrique, ça va quand même être compliqué, hein. S'il joue la crise de Cuba, et pour le moment, il peut pas l'annuler. Ce qui me ferait 2 points. Il peut faire un coup d'État au Soudan. J'ai pas besoin de prendre la Thaïlande avec ma carte Chine. Pas facile du tout. Wow. Marque les points. Oups là. J'en ai pas forcément besoin. Il a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Allez, on se remet dans le bain. Tour à vide. Il a eu des bonnes cartes, mais là, gros tour à vide, hein. Il peut même pas faire un coup d'état avec une carte 2. Okay. Alors, il n'y a que la crise de Suez. De Gaulle n'est pas passé par là. Okay. Petite guerre à jouer. Il faut partir dans l'espace. Oh merde, j'avais Iron Lady. Je joue trop vite. Bon, bah ça c'est un gros coup de bol. Ça fait beaucoup de points de victoire. Et d'ailleurs, le 4 me faisait pas gagner sur la course à l'espace. Pas revu fidèle. Il va falloir que j'utilise le traité ABM sur le Zahir. Fait là-dessus. Ouais, j'ai une chance sur deux. Ça change des choses quand même.
Oh, les deux guerres là, un des Pakistan, c'est abusé. Hein. Vraiment abusé. J'ai eu beaucoup de chance sur ces deux guerres là. C'est bien joué la Tunisie, protège l'Algérie, attaque la Libye, j'aime bien ce move. Je vais la garder celle-ci parce qu'elle est gratuite. Ah, c'était pour ça le move. Oh. Oh. Ok. Ça sert à rien. Ok. Je m'en doutais. Je le voyais gros comme une maison. Que ça c'est bien. Ça me paraît pas dégueu. Hein. On va sûrement faire un coup d'état aussi par là-bas dans le coin. Ou par là-bas. Tear down this wall. Ça c'est pas mal. Ça a été joué les cartes 4, hein, je crois, qui font baisser le defcon. We will bury you. Et l'autre est dans la défausse. Le can cover me paraît pas mal. Ça protège bien.
je m'en doutais. Quand même une bonne avance en termes de points de victoire et sur le board. Faut juste éviter de perdre autant. Bon, alors on part sur une guerre d'Ops en Europe. Bon, on va voir. Il a été remove. Non, Truman, il n'a pas été remove. J'ai un dépendantiste raid. J'aurais dû l'attaquer avec Colonial Rearguard. Relationship. Wow. Un, deux, trois. Ok. Plus 0. Wow.
C'est toujours dans la défaut spécial relationship. Qu'est-ce qui défausse? Il a probablement un scoring encore en main. Genre un scoring d'Europe. Je pourrais faire un coup d'état et gagner 2 points de victoire ou pas? Qu'est-ce qui te reste? Ça vaut le coup, ça. En vrai. Par rapport à soit 2 points de victoire, soit mettre tes points au Canada. Je sais pas, hein. Quand même des chances que l'Afrique soit pour lui, que je la retourne pas. Il a déjà pas très envie de faire un coup d'état, il va. Voilà l'Europe. C'est pas mal ça. Esquiver assez bien.
Y a des chances qu'il ait eu le truc qui me fasse défausser deux cartes aussi, hein. Ok, la révolution se l'est miquée là-bas, ça me fait au moins une carte 3. Pour le moment, ouais, il n'y a que l'Afrique où il marque des points. J'ai la guérisseur là, je peux la défausser avec un David. Une multiple guerre pour la route. Ouais, et ben c'est une victoire. Et il a quand même super bien joué. Hein.
Oh la vache. Ouais, c'est vrai. comment ça? Yes. Je crois qu'il a eu deux rounds, hein. Je me souviens plus. Juste un? Ouais, juste un. Ouais, c'était vraiment pas facile, hein. Le tour 4, il a quand même bien timé. Alliance for Progress, Defectors. Oh non. Il a raison, je crois. Une. Deux. Ah. Il a raison. Ouais. Ouais, j'en ai gagné 4. C'est abusé. Bon, et ben c'était un beau match. J'ai pas de carte absolument dramatique en main. J'aurais pu tourner. Il a eu quelques tours assez forts, à part le tour 7 qui était vraiment désastreux.
ben, je vais arrêter là. Merci à vous. Et puis on se dit à bientôt encore, parti pour un tour du coup.